content de sa présence. Amen. Mais ce que nous voulons ce matin, une seule parole qui vient de lui, cela nous suffit. Amen. Une seule parole qui vient de lui, cela nous suffit. Nous nous attendons à ce que Dieu nous rencontre pour bénir nos âmes. Donc quand nous venons ici, nous devons nous attendre de rencontrer Dieu pour bénir nos âmes. Amen. Et quand l'âme est bénie, et souvenez-vous aussi, amen, le corps aussi doit être béni. Et tout ce qui suit doit être aussi béni. Cela n'est pas simplement de votre attitude. Et ce matin, nous allons parler un peu des sentiments du Père. Amen. Vous devez savoir quel est le sentiment du Père vis-à-vis de vous. Le sentiment du Père pour ce que nous nous montrons. Amen. Le sentiment du Père pour Mama Ida. Amen. Oui, le sentiment du Père. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je suis content de te voir. Merci encore d'être ici ce matin. Nous avons lu la parole de Dieu. Attends, je vais finir ce que je commence. Oh, je ne vois même pas où commencer. J'étais déjà au ciel. Mais je m'efforce aussi pour monter comme vous. Je vais monter aussi. Amen. De la même façon que vous êtes monté dans la cantine de Sion. Et maintenant, il veut nous voir dans la liesse de la Christ. Car c'est là où notre position. Et c'est dans la parole. Voir la confirmation de la parole. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous attendons à ce qui nous raconter pour bénir nos âmes et nous donner les choses que nous en avons besoin. Pas simplement là, mais il y a aussi des choses que nous en avons besoin. Donc on doit les rencontrer quand même quelque part pour s'occuper de nous et nous donner ce qui nous plaît ici, ce que nous en avons besoin. Amen. Car le désir de la femme, c'est porter vers son mari. Et Christ est notre mari. Et il est un mari capable. Capable. Le seul capable qui pouvait payer le prix. Le seul capable qui a exprimé ses sentiments. Amen. Il a regardé, non. Je ne pouvais jamais, jamais laisser ma fille comme ça. Amen. Parce que avant que le monde soit monde, vous étiez déjà. Amen. Vous étiez déjà. Amen. Il vous a simplement manifesté par les limites du temps. Amen. Là, nous sommes venus de quelque part et nous allons quelque part pour retourner là où nous sommes venus. Amen. Donc, cela veut dire que nous sommes éternels parce que nous venons de l'éternité. Amen. Là où lui il était, Elohim. Et étant ici ce matin, nous sommes ses attributs. Nous y a tout raillé. Et ça lui dit ça. Amen. C'est pour cela que nous devons être unis. Sous cette tête qui est Elohim. Le Saint-Esprit, le Seigneur
n'échouera jamais. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que les enfants de Dieu ne seront jamais la quête. Pourquoi? Parce que lui, il n'a jamais été la quête. Il est la quête. Amen. Nous devons seulement reconnaître et retourner en nous-mêmes comme nous allons le lire. Amen. Comme le fils prodigue. Amen. Retourner en nous-mêmes. Amen. Amen. De savoir d'où tu viens. Amen. Et où tu vas. Merci, merci, merci. C'est ça. Amen. 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 Disons la parole de Dieu. Dans Matthieu 15, chapitre 1, à 2. Matthieu 15, de 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains. Quand il pleut, il prend le repas. Amen. Non. Amen. Luc. Luc. Pardon. Luc 15. 1 à 2. Après, nous allons sauter à 11. Luc 15, 1 à 2. Oui. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'attendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. 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 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient. Amen. Amen. Oui, pour s'approcher de quelque chose, vous devez reconnaître quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous attire. Amen. Et pourquoi pas les pharisiens ni les scribes, mais les publicains et les gens de mauvaise vie? Ils avaient une représentation quelque part. Amen. Oh Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Oui. Le République. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Il dit encore: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez moi paient. Un héritier qui a oublié sa position. Combien de. Un héritier. Et il s'était quitté. Amen. Il s'était quitté. Continue, frère. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Amen. Amen. C'est ça l'attitude. Merci. Amen. Merci, Yaya. Je le fils, il reconnaît sa position. Amen. D'où il vient. Amen.
et qu'est-ce qu'il fait et où il va. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un la plus belle robe. Amen. La plus belle robe. Amen. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Un anneau au doigt. Amen. C'est l'alliance. Amen. Au bout de ce soutien, tu soutiens, c'est la plus belle. Tu ne seras plus perdu. Amen. Il y a une alliance. Amen. Baba Lio. Amen. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint à et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qu'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon père lui dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Amen. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écrit de sa parole. Et nous nous gardons simplement du chemin. Nous lui laissons l'espace. Amen. Amen. Merci encore d'être ici ce matin. Nous allons parler des sentiments du Père. Je vois que même dans nos maisons, chaque père a toujours des sentiments. Amen. Amen. D'ailleurs, nous l'avons vu dans la vie de notre prophète, Marion William Branham. Il le disait souvent que ce que lui, il n'a pas pu avoir quand il était enfant, il ne manquera pas de donner ça à ses enfants. Ce sentiment que si moi j'avais pas de jouets, d'ailleurs il n'avait pas de jouets. Si moi j'avais pas de jouets, je ne peux pas priver à mes enfants de jouets. Amen. 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 Donc c'était le sentiment de notre prophète. Étant qu'un parent, et chacun de nous ici a un sentiment vis-à-vis de ses enfants. Amen. Amen. Mais souvent les enfants, ils n'arrivent jamais à rentrer dans la profondeur des sentiments des parents. Pour savoir justement qu'est-ce que maman fait de moi. Amen. Qu'est-ce que papa fait de moi. Non. Comme la Bible nous enseigne, Dieu a toujours un projet de paix et d'amour pour nous. Donc les parents aussi ont les mêmes sentiments pour les enfants. De voir ses enfants bien, dans l'air beau, en manquant rien.
Amen. Et quand un parent voit que son fils ou sa fille ne résiste pas, ça doit devenir son problème personnel. Son problème personnel. Il doit prendre ou elle doit prendre un temps de chercher, d'examiner et de régler la chose. Parce que c'est son fils ou c'est sa fille. Amen. Et Dieu, quand a mis son fils Adam dans le jardin d'Éden, avec un libre arbitre, ouais, et avec la parole entre ses mains. Amen. Et la Bible nous enseigne ceci. Le diable est toujours là et tenté de rôder. Et quand il rôde, comment il arrive à voir les fils et les filles de Dieu? Parce que les fils et les filles de Dieu sortent de la parole. Amen. On était quelque part à Paris. Un frère a perdu son premier fils. Sa première fille. Du coup, il y a quelqu'un qui s'est repenti. Quelqu'un de mauvaise vie. Il a dit oui. C'est moi qui ai frappé cet enfant-là. On lui a posé, comment tu as frappé cet enfant-là? Non, ça, il a dit non. Sa maman, elle est sortie de la parole. Et moi, j'ai frappé l'enfant. Parce que sa maman, elle est sortie de la parole. Amen. Amen. Donc, on doit veiller sur la parole et rester dans la parole. Amen. Et si nous retournons à la parole, nous allons voir que quand Ève était séduite, Adam n'était pas là. Elle n'a pas pu veiller sur la parole. Toujours. Qu'est-ce qu'Ève a fait? Elle a raisonné avec la parole. On ne raisonne pas avec la parole. Si ça vous arrive de raisonner avec la parole, faites attention. Vous commencez déjà. Amen. Vous commencez déjà à ouvrir les portes. Amen. Comment je vais ouvrir la porte? C'est dans la parole de Dieu. La parole que nous avons créée. Une femme ne peut pas recevoir un homme chez lui seul. Amen. Oui, c'est vrai. Merci. Qui que ce soit. Amen. Pas d'exception. Merci. Même le pasteur, il ne peut pas venir chez le pasteur. Amen. Voilà. C'est ça. Amen. Amen. Oui. Il vient comme ça, on va te dire ça. Non, non. Un prédicateur.
Le frère Branham dit, Satan, le diable, c'est le premier prédicateur. Puis c'est tous les prédicateurs de la terre. C'est ça l'erreur que Ève a fait de s'arrêter, d'écouter le diable et de raisonner avec la parole. Amen. Amen. Oui. C'était trop tard. La race humaine était perdue. Mais le sentiment du Père. Et si nous regardons bien la parole, le premier homme. Père Branham dit que Adam n'avait pas l'ombre. Tout à fait. Adam, Azala qui veut beaucoup mater. Moutolou. Amen. Adam, il n'avait pas ça. Amen. Amen. Il était un homme originel. Amen. Maintenant, l'homme originel est tombé. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que le Créateur va faire? Il doit exprimer ses sentiments. Ma création est tombée. Amen. Merci Jésus. Amen. Je dois exprimer mes sentiments. Amen. Et quand l'homme est tombé, préparez-moi dit que l'homme est parti chercher les feuilles de figuier pour se couvrir. À ce temps-là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'était pas Adam qui a cherché Dieu. Adam, il a fui loin de Dieu. C'est caché même. Avec son père de figuier. Mais Dieu l'a cherché. Amen. Amen. Et comme ce matin, Dieu nous a cherchés. Amen. Et il nous a cherchés pour s'occuper de nous. Amen. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Après, il a pris les feuilles de figuier, il s'est couvert. Dieu lui a dit non. Les feuilles de figuier, ça ne signifie pas. Amen. 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 Laisse-toi couler. Amen. 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 Et il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal. Amen. Et l'a couvert. Amen. Amen. Il a fait un sacrifice. Déjà dans les jardins d'Éden. Pour couvrir l'homme. Merci Jésus. Amen. Mais cela ne suffit pas. Amen. Pour acheter l'homme. Alléluia. C'est ça. Cela ne suffit pas. Alléluia. Parce que l'homme doit retourner. Alléluia. Amen. Amen. Et de la même façon qu'il vous a appelé ici. Liste la palette à Bernard, c'est pour vous racheter et de vous retourner dans l'original. Amen. Amen. C'est un processus pour nous. Mais lui, il a déjà fait ça. Amen. Amen.
Mais il a vu que tout cela ne suffisait pas. Amen.
Amen. Et comme Frère Branham dit, le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas justifier un homme ni une femme. Ça pouvait simplement vous couvrir. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Mais il fallait son propre sang. Le véritable. Amen. Amen. Oui. Afin que nous soyons rachetés. Amen. Parce que Adam, il doit être restauré. Amen. Amen. Parce qu'il a perdu ses pouvoirs. Amen. Tout à fait. Il a perdu son autorité. Amen. Parce qu'avant Adam, et la Bible nous enseigne que c'est Adam qui a donné le nom au Saint. Toi, on t'appellera lion. Amen. Et Dieu dit amen. Pourquoi? Parce que ils avaient quelque chose en commun. Et ces choses-là en commun, Adam l'avait perdu. Amen. C'est pour cela que le psalmiste dit que je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde, approuvera les mensonges. Donc, Dieu ne nous condamne pas de la façon que nous sommes venus au monde. Amen. Mais il nous condamnera si nous partons de la même façon. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyé ce message. Dans ce temps de la fin, ce message de restauration. Amen. Amen. De restaurer ce que toi tu as perdu. Amen. 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 De restaurer ton autorité. Amen. Tout à fait. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen. De te libérer dans les coutumes. Amen. Dans les traditions. De ton pays. Amen. Et Frère Branham dit que nous sommes de la même façon que Abraham. Amen. De la même façon que Abraham fut été appelé. Amen. De la même façon que nous sommes aussi appelés. Amen. 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 Il était un païen. Amen. Mais le sentiment du Père, comme il connaissait Abraham, dès la fondation du monde, amen. Il a dit non. Amen. Je ne peux pas laisser Abraham hein, comme ça. Amen. 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 Et souvenez-vous de la famille d'Abraham. Abraham, il était pas seul. Alléluia. Abraham, il a mis aussi son père. Amen. Merci. Merci, Jésus. Amen. Mais Dieu a compris. Que comme je vais, c'est moi qui appelle Abraham pour faire de lui ce que moi j'ai conclu. Amen. Dans ce plan-là, son père n'est pas. Amen. Et que dois-je faire? Il a retiré son père avant. Amen. 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 Il a retiré son père avant. Son père est parti. Après, il a appelé Abraham. Amen. Mais cela ne suffisait pas à Dieu. Parce que l'homme a ses sentiments et Dieu aussi a ses sentiments. Amen. Et les sentiments des hommes et de Dieu ne sont pas égaux. Amen. C'est là où il y a des problèmes aujourd'hui dans les églises ainsi que dans les ministères. Nous n'arrivons pas à partager ses parts. Oh, oui, oui. Le sentiment de Dieu qui m'a appelé Amen. Et mes sentiments à moi. Amen. Merci Jésus. Alors si nous mélangeons des sentiments,
nous risquons à circuiter les plans de Dieu. Amen. Amen. Après, nous allons commencer à dire. Voilà. Et ils sont où, mais là? Oh, Jésus. Amen. Amen. Jésus. Ah oui. Non. Oh, Jésus. Peut-être ils sont où, mais là, pour toi. Oh, Amen. Amen. Ayons connu. Amen. Dieu te bénisse. Oh, Amen. Ça ne peut pas tarder pour tout le monde. Amen. Non. Dieu a pris son temps. Amen. Il a dit, Abraham, reste encore là. Oh, Seigneur, je veux retirer d'abord ton père. Amen. Sinon, tu auras des sentiments. Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, c'est Dieu. Ces genre de choses-là, le prophète l'a vécu. Amen. Elle a écouté la voix de sa belle-mère. Amen. Au lieu d'écouter la voix de Dieu. Le péché, le maha. Amen. Amen. Et Dieu savait ça. Souvent Dieu nous appelle, mais nous avons toujours des choses qui nous attirent toujours. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Les sentiments des hommes. Amen. Amen. Mais dans les plans de Dieu, Dieu regarde simplement ses sentiments à lui. Amen. Que l'homme est tombé, je dois les racheter. Amen. Et il rate un conseil à lui-même. Amen. Il a conclu que ça, il faut un grand prix. Amen. Parce qu'aucun autre homme peut racheter l'autre. Si ce n'est moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous avons le calvaire. Merci Jésus. Il devait prendre le même corps que nous ce matin. Amen. Mais la différence, ayant le Saint-Esprit. Amen. 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 Et qui était le sentiment du Père quand il marchait sur les rues de Galilée? Amen. 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 Et quel est notre sentiment aujourd'hui? Amen. Vis-à-vis d'un frère rétrograde. Amen. Vis-à-vis d'un frère qui est dans le faux. Ce n'est pas le sentiment du Père. Le sentiment du Père aujourd'hui est que aucun de nous ne périsse. Et que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. C'est ça le sentiment du Père. Amen. C'est pour cela qu'il a même dit que venez à moi. Pour tout ce qui était chargé. Et je vous donnerai du repos. Amen. Oui. Quel est le sentiment de Jésus? Vis-à-vis de Pierre ces jours-là. Par rapport à juste des pensées. Parce que quand vous recevez des mauvaises pensées, automatiquement, cela vient du diable. Amen. 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 Et Jésus a dit à Pierre que le diable te cherche à te cribler comme un fourmant. Mais j'ai prié pour toi. Oh, le frère, il est dans les rêves. Le sentiment du Père. C'est ça. Je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Pas un être humain. Dieu lui-même. Et nous devons avoir la révélation. Amen. De comprendre. C'est vrai. Que
moi j'avance, lui il reste, je serai obligé de la faire. Un jour, j'étais quelque part. Amen. On parlait de l'enlèvement. Mais les dénominations, ils me traitaient d'orgueilleux de toutes ces choses. Toujours. Mais moi, je connaissais ma position. Amen. Et pour conclure, je l'ai réussi. Bien aimé, je suis d'accord avec vous. Amen. Mais si moi, je suis dans l'erreur, vous n'irez pas à l'enlèvement. Amen. Amen. Non, Amen. Parce que moi je dois y aller. Amen. Mais vous me considérez que je suis dans les rêves. Vous allez m'attendre. Vous allez m'attendre. Parce que j'ai la révélation. Le sentiment du Père est que aucun de nous ne périsse. Certaines choses les gens ne savaient pas. Nous devons les savoir aujourd'hui. Il y a plusieurs catégories de croyants. Il y a des croyants qui iront dans l'enlèvement. Mais il y a des croyants qui seront sauvés, mais ils n'iront pas dans l'enlèvement. Elle sera sauvée, mais enlèvement. Amen.
désirs ennemis. Amen. Viens, te petit, de la robe blanche. C'est ouvert aussi. Toi, je te cherchais.
te cherchais. Tu fouillais, je te cherchais. J'étais là, j'étais là, j'ai pris. Amen. Et frère M dit ceci. Les bergers aux temps anciens, quand ils voient ces brebis-là, ils sortent tout le temps, ils vont loin. Ils avaient cette tendance. Ils disent, que dois-je faire pour ces brebis-là? Ils sortent tout le temps. Vaillamment. Ce que je dois faire, je dois lui casser sa patte. Oui, c'est bon. On va casser le patte. On va jeter. Oh Seigneur, sa patte. Va casser le patte. Zalawa. Amen. 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 Oui. À ce moment-là, quand il vous appellera, tu répondras que oui, Seigneur, je suis ici. Alléluia. Amen. Oui. Ça ne t'attend pas. Il t'a simplement cassé la patte. En bonne santé spirituelle d'abord et ici. Amen. 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 Frère Manon me dit, souvent nous nous regardons l'héritage corruptible. Or Dieu ne regarde pas l'héritage corruptible. Dieu regarde pour nous l'héritage incorruptible. L'héritage mon boy, ça ne finira jamais. Il c'est mon ami, c'est mon alloy. Amen. Et tous les sentiments charnels est parti. Amen. Maintenant tu as le droit d'embrasser une sœur. Pour les ses frères. Pour les ses frères. C'est la fête. Amen. Amen. Parce que de l'autre côté, nous serons rejetés totalement. Amen. 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 Oh Seigneur, merci. Mais aujourd'hui, ah oui. Alléluia. Oh oui. Aujourd'hui, on ne peut pas. Non. On ne peut pas. Donc, je ne peux pas me permettre. J'allais visiter une sœur. Moi, ça ne me dira rien. Elle aussi, ça ne me dira rien. Mais ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils diront? Et si un homme dit ceci, évitez de penser des actes qui vont faire croire aux païens que vous êtes comme eux. Évitez de penser des actes comme ça. Je sais que Dieu est inoculé, tu ne feras rien. Mais évitez de poser ces actes-là qui fera croire à un païen que elle aussi, elle est comme nous. Donc on doit éviter ça. Bien sûr. On doit éviter ça. Amen. Amen, cher ami. Amen. Nous ne pouvons pas ça comme nous. Un jour, Jésus, il a vu dans son plan. Et aujourd'hui, je dois passer dans la Samarie. Parce qu'il y a une fille perdue là-bas. Il a regardé. Il a dit, bon, comme elle n'est pas vierge, le vierge vient pousser l'eau à 6h du matin. Mais les autres femmes là, ils viennent à midi. Donc elle, elle sera là à midi. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Elle a tout calmé, c'est le plan de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que les plans de Dieu sont dans son âme. Quand quelque chose se passe, ne soyez pas pressés à le condamner. Amen.
ils avaient aussi besoin à manger quelque chose pour le corps. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a envoyé les disciples aller acheter les choses. Allez-y. Et après, il est parti aborder sa fille. Allez. Sa fille. Amen. Amen. Et frère, madame dit que cette femme-là, elle n'était pas obligée d'amener cette vie qu'elle menait. Mais elle était contrainte pour sa famille. Comme elle était belle, il dit non, il n'y a que moi qui peux nourrir ma famille. Dans ces chemins-là, mais dans son cœur, elle était lancement spirituel. La sémence parole parlée. Amen. Et elle attendait le Messie. Elle attendait le Messie. Donc, même si la vie qu'elle menait, elle attendait le Messie. Mais le problème, c'était quoi? Il manquait le Saint-Esprit. C'est la mort. C'est la mort. Amen. Donc elle n'avait pas quelque chose qui pouvait le retenir à poser des actes contre elle. Amen. Amen. Oui. Mais il faisait partie de la prédestination. C'est pour cela que frère Branham, quand il parle de la prédestination, il dit ceci. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de cette fille-là que vous voyez là, au coin de là-bas? Qui vous a dit qu'elle n'est pas prédestinée? Amen. Peut-être, si vous avancez, vous lui serrez la main, vous l'invitez à l'église, elle pourra abandonner sa mauvaise vie. Amen. Et après encore une autre. Ils ont posé la question à Frère Branham. Frère Branham a dit, non, elle n'est pas encore trop tard. Amen. Elle est encore bonne pour un prédicateur fatigué. Amen. Amen. Donc le sentiment du Père que de revenir à lui. Il vous accueille et il vous positionne. Il vous déshabille de votre habillement sale. Il vous donne la robe blanche. Et Jésus parlait avec la femme samaritaine. Il parlait. Le frère Branham dit que les apôtres, ils sont rentrés, ils sont venus. Au lieu de se présenter devant Jésus, ils se sont cachés. Amen. Ils sont en train de regarder. Au moins, il met dans le grand. S'ils étaient des païens, comment ils considéraient le frère? Mais est-ce que Jésus, il exprimait ses sentiments à l'hiver? À son créateur, à sa fille, qu'elle connaissait dès la fin de la fondation du monde. Et sa fille en question, elle s'attendait qu'un jour, le Messie viendra. Et qu'est-ce qui s'est passé après le discernement? Amen. Yep. Et quelque chose s'est passé.
Jésus l'a parlé en douce. Alléluia. Amen. Merci, Père. Va appeler ton mari. Amen. Oh, Seigneur. La femme étant sincère. Alléluia. Non, maître. Je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit vrai. Amen. Même celle que tu as maintenant, ce n'est pas. Amen. 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 Comment elle ne doit pas recevoir sa délivrance totale. Alléluia. Amen. 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 Et frère Marie parle de la joie après la répandue. Amen. Oui. Venez voir, venez voir. J'ai rencontré, venez voir. Amen. Oui. L'homme qui a parlé de ma vie. Amen. Donc elle a compris que cet homme-là lui connaissait. Amen. Amen. Jésus ne l'a pas condamné. Amen. Non, non. Il a dit simplement que Amen, tu dis vrai. Amen, tu dis vrai. Amen, tu dis vrai. C'est pour cela, frère Branham dit ceci. Pourquoi aujourd'hui les gens ne réservent pas les baptêmes du Saint-Esprit quand ils sortent des eaux des baptêmes? Parce que ils ne se répandent pas totalement. Amen. Oui. Donc quand on dit totalement, parce que frère Madame dit ceci, que le Saint-Esprit ne descend pas si une fausse est sortie. Donc s'il y en a 10, si enlève 9, tu laisses 1, ça ne descendra pas. Les sentiments du Père dépendent de notre confession. Amen. Amen. Et nous retournons ce jour-là à la croix. Amen. Il y avait deux sons. Amen. Un brigand à droite et à gauche. Amen. Yoka. Le maître au milieu. Amen. Merci Yahweh. Le maître qui tient tous les souffles entre ses mains. Amen. Oui. Amen. Amen. La science. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Chaque nuit, nos corps là, même les cœurs, âmes, amen, ça s'arrête une minute. C'est la vérité. La mort. Donc, n'aboute pas les mots. Une minute, nous, c'est ça la vérité. Tous les corps. Ton cœur, l'âme, l'esprit, ton cœur. Une minute, le corps ne fonctionne pas. Chaque minute, de l'être humain. La grâce. Une minute, rien ne fonctionne sur le corps. Donc, chaque nuit, on meurt une minute. Amen. Après une minute, on revient. Merci. La grâce. Commence. Amen. 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 Et le sentiment qui perd ces jours-là, étant aussi lui-même à la croix, amen, pour acheter ainsi celui qui est à gauche et à droite. Amen. Mais maintenant, ça dépendait de. Amen. Amen. De reconnaître que nous avons notre Père au milieu. Amen. Souvent nous tardons pour reconnaître nos.
et de retourner à la maison. Et l'esclavagisme, ça continue et ça se multiplie. Au moins, je suis bloqué. Non, tu n'es pas bloqué. Tu ne veux pas simplement abandonner totalement ta vie au Seigneur. Amen. Et l'autre brigand, il a commencé ses insultes. Alléluia. Toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Non. Et l'autre à côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non mon frère, arrêtez de dire ça. Nous, nous méritons. Amen. Amen. Oui. Je vais lire quelque chose dans les dix vierges. Et les 144 000. Dans le paragraphe 281. Frère Madame dit ceci. Nous étions des condamnés dans les chaînes des péchés, dans la prison de l'enfer. Condamnés coupables en route pour être détruits à jamais. Donc déjà dès le départ, nous étions déjà condamnés. De la façon que nous sommes venus au monde. Ce n'était pas le plan de Dieu. Nous étions des condamnés dans les chaînes du péché, dans les prisons de l'enfer, condamnés coupables en route pour être détruits à jamais. Amen. Et quelqu'un a pris ta place. Amen. Un jour, le Saint-Esprit, un jour, le frère Branham s'est saisi. Il commence à poser des questions. Il se demande lui-même. Eh bien, qui suis-je? Je ne sais pas si nous avons déjà posé cette même question pour nous-mêmes. Amen. Qui suis-je? Nazana. Parce que souvent nous vivons au-dessus de nos privilèges. Nous pose-toi la question. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Ok. D'où est-ce que je viens? Naouti wapi? Jamais. Où est-ce que je vais, Seigneur? Nous sommes des wapi. On doit s'arrêter un moment. Amen. De poser cette question. Amen. Et d'avoir la réponse dans notre cœur. Amen. Amen. Et quel était le sentiment de Jésus à la croix ce jour-là? À celui qui a reconnu ses fautes lui-même. Amen. Sans qu'on lui pose la question. Amen. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Amen. Aujourd'hui, Yoka, tu seras avec moi le voleur au paradis. Amen. Le sentiment du Père. Amen. Amen. Alléluia. Mais si c'était l'un de nous, que tu connais ton voisin là, amen, c'est un grand voleur. Il a volé même tes poulets. Amen.
ayons les sentiments qui aidaient son frère. Amen. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Après, allez dire. Frère Madame dit ceci. Pâques a beaucoup d'importance pour nous. Parce que nous participons à la communion de sa résurrection. Amen. Et nous l'apprécions. Amen. Car nous étions autrefois morts par notre péché Amen. Et par nos offenses, comme fils prodigue. Mais maintenant, nous avons trouvé grâce. Maintenant, nous avons trouvé grâce. Amen. Il y en avait deux là-bas. À la croix. Amen. Un a trouvé grâce. Ah. L'autre n'a pas. Ah oui. Amen. Ah. Merci Jésus. Amen. Amen. Peut-être l'autre, il partira à l'enlèvement. Parce qu'il avait la révélation de son temps. Voilà. Que celui qui meurt là, c'est injuste. Ah, voilà. Mais l'autre à côté, non, il n'avait pas la révélation de son temps. Donc, il pouvait aussi être sauvé. Mais il n'ira pas dans l'enlèvement. Il passera dans la tribulation. Amen. C'est la vérité. Il le signera lui-même avec son propre sang. Amen. On continue à dormir. Mais maintenant, nous avons trouvé grâce. Et Dieu nous a pardonné nos péchés. Amen. Il nous a aussi donné les sceaux. Amen. 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 Il nous a donné aussi les sceaux comme il a fait avec notre père Abraham. Amen. Donc Dieu ne peut pas vous appeler et vous le laisser comme ça. Amen. Donc il doit vous donner quelque chose. Alléluia. Il nous a aussi donné le sceau, comme il a fait avec notre père Abraham. Pour confirmer qu'il nous a acceptés. Amen. Donc il a exprimé ses sentiments. Amen. Pour vous appeler. Amen. Ma fille vient. Amen. Mon fils vient. Amen. Mais cela ne suffit pas. Amen. Il faut quelque chose pour confirmer votre appel. Oui, nous croyons au message de l'air. Amen. Dieu vous appelle. Amen. Mais il faut une confirmation. Amen. Amen. La confirmation. Il nous a aussi donné le sang comme il l'a fait avec notre père Abraham. Amen. Pour confirmer qu'il nous a acceptés. Amen. Notre père Abraham a dit qu'il croyait Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est Abraham qui a dit. Il croyait Dieu. Amen. Qu'est-ce que moi je fais? Je veux dire, c'est même oui. Oui, frère, tu crois à Dieu. Amen. Ouais. Mais, pour Dieu, ne suffit pas de dire que oui, je crois. Oh, Dieu. C'est ça. Amen. Amen, amen. Notre père Abraham a dit qu'il croyait Dieu. Mais, il lui donnait le sceau de la circoncision. Appelle aujourd'hui en exprimant ses sentiments et vous avez cru, il doit vous confirmer votre croyance à lui par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui va vous donner
circoncision. Amen. Comme une confirmation qu'il croyait vraiment à lui. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc la confirmation de Dieu. Comme quoi que vous croyez vraiment à lui. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et celui qui croit en Dieu abandonne sa vie totalement à Dieu. Il a honte de rien. Amen. Il a honte de rien. Venez voir. J'ai raconté ce temps. Il m'a raconté ma vie. Amen. Venez voir. Je suis guéri. Venez voir. Je suis sauvé. Venez voir. Je suis délivré. Il faut la confirmation du Saint-Esprit. S'il n'y a pas la confirmation, cela montre que vous n'avez pas encore cru en lui totalement. Amen. 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 Le message de la Une femme qui croit à un homme et il épouse. Cette femme-là doit abandonner tout son corps à cet homme-là. Amen. 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 Parce qu'on se marie en ayant la révélation de se croire l'un à l'autre. Amen. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur se passe. Amen. 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 Merci Jésus. Je viens de vivre. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Jésus l'a gagné. Et Jésus exprime ses sentiments envers nous pour nous prendre au mariage, étant son épouse. Et souvent, comme nous le savons, c'est toujours l'homme qui choisit la robe de mariage pour sa femme. Hein? Jésus nous donne aussi une robe. Ah oui! Amen! Alléluia! Ah oui! Qui est le Saint-Esprit? Amen! Pour confirmer. Amen! 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 Amen!
dit tout à l'heure. Amen. Où nous avons, nous sommes venus saluer la vaillante mémoire de notre sœur Lydia Barouti Loussala. Amen. Et que vous avez connu, aimé, apprécié, parce que nous avons eu le privilège de la voir ici en Europe, et pas seulement en Europe, mais elle était particulièrement venue avec son mari. Amen. Et participer à la fête de l'anniversaire que vous avez organisée pour moi. Amen. Elle avait fait un grand sacrifice. Ouais. Parce qu'elle sortait de l'hôpital depuis seulement 2 jours. Et quand quelqu'un vous aime, amen. Le frère Branham dit, vous devez l'aimer aussi. Ouais. Quand elle descendait de l'aéroport, et frère Richard était parti la chercher avec, je ne sais pas qui était encore là. Elle dit, je veux voir mon pasteur ici en Liège, je veux le voir maintenant. Amen. On dit, mais non, tu es une surprise. Il dit, non, moi je vais aller voir le pasteur, je dois voir maman. Amen. Et moi je suis venu ici, j'ai écouté les témoignages de ceux qui l'ont connue, de tous ceux qui ont été avec elle. Amen. Et honnêtement, j'ai senti que j'avais encore du chemin à faire. Amen. Et pour que les gens disent de moi et pensent de moi, oh, Jésus. En bien. Amen. Et je me demande quel est le témoignage que toi tu laisseras, que moi je laisserai. Amen. Si un jour le Seigneur devait te reprendre, yes. Pensez-y. Amen. Vous savez, je viens de suivre totalement la prédication de révérend Jacques Mouinda, que Dieu le bénisse. Amen. Et les sentiments d'un père. Amen. Et même au Texas, l'autre côté. Amen. Amen.
cherché à les connaître. Amen. Vous faites prier à les connaître, mes frères. Amen. Je désire vous amener quelque part. Oh,
Nous allons briser les attaques, les flèches dirigées contre cette famille, contre soleil, contre son épouse et les enfants. Nous allons les anéantir au nom de Jésus. Élevez les voix, priez le Seigneur. Thank you.